je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolet. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Contre nous soit dit, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission qui traite des questions liées notamment à la foi, à la politique, au droit et tout ce que vous voulez. Nous prenons les questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine. On les met sur la table aujourd'hui et nous tentons de les décortiquer avec un invité sur le plateau. L'actualité dans le pays, c'est aussi la participation des églises dans un processus de reconstruction et de démocratisation de ce pays. D'ailleurs, le 27, il y a un groupe des apôtres qui se réunissent et qui vont faire une marche ici à Kinshasa avec un mémorandum qui sera déposé. Qu'est-ce que les apôtres veulent? Qu'est-ce que l'Église veut exactement? Pouvons-nous encore faire confiance aux hommes des dieux et aux hommes des églises dans ce pays après ce qui s'est passé dans la désignation de M. Denis Kadima? On parlait de toutes ces questions-là. Pour la première fois, j'ai donc l'honneur de recevoir un homme des dieux sur ce plateau. C'est la première, mais j'espère que ça ne sera pas la dernière. C'est l'apôtre, bravo Jacques Martin. Apôtre, bonjour. Bonjour, Pierrot. Toujours un plaisir. On entend souvent parler de vous et on vous a en face. Comment vous allez? Dieu nous soutient. C'est l'essentiel, hein? Merci. Ok, vous êtes apôtre, responsable de l'église des croyants en Jésus-Christ. Église de quoi? Ça vous vient comment ces histoires de donner des noms, église des croyants en Jésus-Christ? Vous dormez, votre épouse vous souffle à l'oreille, ou vous lisez dans un ouvrage, qu'est-ce qui se passe exactement pour que vous deveniez croyant? Les églises, il y a la main du Seigneur là-bas, la tête de Jésus là-bas, ça se passe comment, hein? De toute façon, c'est la vision, hein? C'est-à-dire quand vous êtes appelé par Dieu, il ne vous appelle d'abord pas pour l'église, il vous appelle d'abord comme son serviteur pour accomplir une tâche dans le cadre du ministère et que... avec votre message, vous pourrez maintenant aller vers l'édification de ce qu'on appelle l'église, en passant par groupe de prière, assemblée, ministère et finalement église et communauté. Donc, quand vous êtes en train d'annoncer le message, vous avez votre cible, vous avez un objectif. L'objectif, c'est avoir deux croyants en Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient à beaucoup de choses. Hein, ils croient peut-être à leur avenir, ils croient au mariage, ils croient à beaucoup de choses. Mais chez nous, la manière que Dieu a disposé, l'apôtre qui a ouvert cette communauté parce qu'il est mort, il m'a demandé de pouvoir garder cette communauté pour qu'elle vive. L'apôtre Bossiwa Michel. Alors, c'est ça la vision, c'était amener les gens à être de véritables croyants. Jésus-Christ. Vous parlez de l'appel. Nous qui vous regardons de l'extérieur, on ne croit plus en vous, hein, les pasteurs. Il y a tellement de choses, il y a tellement de dégâts, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, que nous ne savons plus quand est-ce que Dieu appelle et quand est-ce que Dieu n'appelle pas. Dites-nous un peu, Dieu vous appelle comment? Le Seigneur appelle comment et comment authentifier que c'est ça, c'est un homme qui a reçu l'appel de Dieu, celui-là c'est un aventurier. Je voulais vous retourner la question, est-ce qu'à un moment donné vous aviez cru à quelqu'un qui s'appelle pasteur, évangéliste, prophète? Est-ce que vous aviez cru à un moment donné? À la parole? Non, je dis à ces personnes, quand vous dites qu'on ne sait plus si on peut croire, est-ce que avez-vous cru à un moment donné? À un moment donné, attendez, le mouvement des pasteurs, les pasteurs étaient des hommes sérieux, avec les vents des Heidi Nabala et tout ce qui est après, mais les pasteurs d'aujourd'hui, non, tous les Congolais à un moment donné, on a cru au pasteur. Quand on voyait un pasteur, ça rassurait, c'est plus aujourd'hui. Je voudrais connaître qu'est-ce qui vous a mené à leur faire confiance. Parce que ces personnes-là auxquelles vous avez fait confiance n'ont pas changé dans leur constitution, peut-être ils ont grandi, mais c'est des personnes peut-être qui n'avaient pas étudié, des personnes qui peut-être qui avaient raté la vie et qui s'est retrouvé peut-être en désarroi et finalement ils sont récupérés par le Seigneur qui leur confie une mission. Et au milieu des hommes, avant qu'il ne soit pasteur, avant que tout le monde court derrière lui, il a accompli de tâches et beaucoup de charges, hein, et qui ont amené tout le monde à croire. Et même pendant le temps que vous dites que vous ne croyez pas, il y a toujours des gens qui croient. J'ai l'habitude de dire aux gens que moi aussi je ne crois pas en vous, je ne crois pas aux journalistes, je ne crois pas aux politiciens, à tout le monde je ne crois pas moi aussi. Autant vous ne croyez pas, autant moi aussi je ne crois pas.
Parce que finalement, vous, les journalistes qui pouvaient éduquer les gens, qui pouvaient instruire, les orienter, vous êtes dans des polémiques. Vous êtes en train de dire ce qui vous plaise. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Mais nous, on est terrestres. Vous êtes divins. Vous avez le Saint-Esprit, non? Nous, on est terrestres. On a pas dans le même champ. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il a échoué dans sa façon de vous choisir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai dit, hier, quand on parlait d'un pasteur, on tremblotait parce que l'homme dégageait la sérénité, le sérieux, la responsabilité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Est-ce pasteur, qu'ils vivent encore ou ils ont disparu? Je parle de vous, pasteur, dans l'ensemble. Je parle pas de moi, ceux-là. Je suis le même pasteur tel que les gens m'ont connu. J'ai la même puissance, la même onction, j'ai la même vérité. Je continue de faire les choses de la même manière. Je n'ai jamais changé. Vous pouvez aller poser la question à ceux qui me connaissent. Il dit toujours, il est le même. Je n'ai jamais changé. Sauf que j'ai beaucoup grandi, j'ai beaucoup appris et j'ai compris que ce pays ici, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes et qui ne peuvent pas être résolus par le pasteur. Parce que d'abord, il faudrait que nous puissions bien comprendre aussi les choses. Le pasteur, ce n'est pas une charge de la population. C'est une charge de l'Église. C'est dans l'Église. Parce que le pasteur, c'est dans le 5 ministères d'autorité, les ministères de parole. C'est à la chair où on se retrouve le pasteur. Donc maintenant, quand il se retrouve à l'extérieur, il peut être peut-être enseignant, il peut être directeur d'entreprise, il peut être autre chose. Mais le problème, c'est que si nous devons voir la relation de Dieu avec les hommes, nous devons considérer trois ministères que Dieu a utilisés depuis tout le temps, qui n'a jamais changé. Il s'agit de l'appel royal ou l'onction royale, l'appel prophétique, onction prophétique, ou de l'appel sacerdotal, onction sacerdotale. Donc, il suffit que vous puissiez prendre tout le monde que l'on appelle président de la République, député et tout, et toutes ces personnes-là sont dans l'appel divin. Ils sont dans l'appel que nous avons appelé l'onction royale. Alors, tandis que maintenant, le pasteur, ils sont, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, toutes ces personnes-là sont dans les deux autres onctions, dans les autres, deux autres pouvoirs divins. Il s'agit du pouvoir prophétique et du pouvoir sacerdotal. Donc on va retrouver et qui sont chargés de faire les sacrifices pour le peuple, de plaider la cause auprès de Dieu et les autres qui ils sont en train de plaider la cause de Dieu auprès du peuple, qui leur disent qu'est-ce que Dieu veut. Si nous sommes venus, si nous sommes dans cette affaire-là, c'est parce que nous considérons que le pays ici a été dédié à Dieu, a été donné à Dieu, et que le peuple ne peut pas continuer d'agir comme ils veulent. Nous sommes là pour la révélation et pour interpeller de la présidence de la République jusqu'à tout le monde. On va parler de tout ça, pasteur. Mais vous-même, de votre expérience, quand vous regardez la manière dont votre métier de pasteur était exécuté, il y a 20, 25 ans, 30 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes fier. Vous pensez qu'il y a... vous avancez, vous stagnez ou vous reculez. Vous êtes fier vous-même de voir la... Je suis fier d'abord de voir qu'il y a une identité qui s'est dégagée. Et pour distinguer ces personnes que l'on appelait sectes, qu'on reconnaît maintenant comme confession religieuse, parce qu'ils sont une catégorie de personnes bien précises maintenant. Là, je suis fier. En tant qu'un de ceux qui ont initié cela, je suis très fier de ça. De deux, je considère que, en tant que confession et église, comme partout dans le monde, et depuis la nuit des temps, nous sommes en train de connaître ce que les autres ont connu. Ce que les autres ont connu, les catholiques, les protestants, ce que les autres ont connu, c'est ce que l'église que nous appelons l'église les églises du mouvement charismatique de réveil. Je ne vais pas seulement identifier la confession de l'église du réveil, mais je parle plutôt des églises du mouvement charismatique de réveil. Hein? Alors pourquoi? Parce que vous retrouverez le. Entités charismatiques dans l'église catholique. Ils sont dans l'église protestante. Donc c'est pourquoi je parle du mouvement charismatique de réveil.
Donc, ceux qui ont privilégié l'exercice de leur charisme, hein, ceux qui ont voulu servir Dieu avec leurs dons, leurs talents, avec ce que Dieu leur a donné. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le tape dans lequel nous nous retrouvons, moi je suis chercheur, je suis théologien, je considère que l'église du mouvement charismatique de réveil ou l'église du réveil est en train de suivre la marche des églises du monde de la manière que cela ont avancé. Il faudrait maintenant être très prudent avec les apôtres que nous sommes là. Il faut qu'il y ait des apologistes, des gens qui doivent défendre la doctrine, qui doivent montrer que ça ne doit pas être comme ça. Alors maintenant, parce que maintenant, dans l'église du réveil, particulièrement, nous avons ce que nous appelons des empereurs, des rois, des princes. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas encore aidé l'église du réveil à bien se structurer et à bien s'organiser et pour qu'elle puisse maintenant imposer la ligne doctrinale, la ligne de conduite. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un reçoit la personnalité juridique qu'on lui a donnée, et même s'il est aligné ou inscrit dans le répertoire des églises du réveil, c'est-à-dire l'église du réveil, les gens qui dirigent l'église du réveil n'ont pas le pouvoir de les sanctionner. Donc il y a un problème de régulation. C'est-à-dire nous nous sommes battus, on a donné, à la fois on a reconnu l'église du réveil, l'autorité d'interface et autorité de régulation. L'autorité d'interface, on avait donné un acte juridique, mais c'est plutôt l'autorité de régulation qui n'a pas encore obtenu un acte juridique. C'est à partir des régulations maintenant que les choses pourraient aller de manière convenable. Parce que l'État qui veut que les choses marchent, et chacun veut que les choses marchent, hein, devra accepter partout où il y a l'ordre. Même dans... Donc ça veut dire que vous-même, et Kakenza, il arrivera que vous vous émettiez sur la même longueur d'onde. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que... voilà. Que quoi? Que ça passait pas trop bien quand même avec Kakenza. Non. Quand vous l'avez trahi en allant avec Sonny Kafuta, tout ça. On l'a pas trahi. Je ne vais pas entrer à ça. Et vous pouvez m'appeler pour ces sujets-là. Je ne vais pas non plus entrer dans ça. Je non, s'il y, si y a un traître, c'est Kakenza qui a trahi Sonny. Vous l'avez reçu, vous avez parlé avec lui. Je voudrais que vous puissiez corriger que s'il y avait quelqu'un qui avait trahi l'autre, c'était plutôt Kakenza, parce qu'il a fait la mise en reprise avec Sonny. Il ne pouvait plus revenir pour chercher à ce que Sonny quitte le poste. Moi, je parle d'une manière droite. Je suis fondateur initial, pas c'est moi qui ai rédigé les statuts de l'église du réveil. Et même Albert était absent pour le mettre comme président. C'est moi et Kabongi Yanzambi qui l'avions mis comme président. Donc il ne faudrait pas, quand vous m'avez pas encore rencontré, vous connaissez le nom, mais retenez très bien que l'affaire là qui s'est passée, c'est une affaire réelle qui pouvait arriver, ce sont des hommes, nous avons déjà oublié ça, mais... Vous avez fait la paix, vous parlez maintenant avec Kakenza, Sonny, et Kafuta, Kakenza, Sapa. J'ai toujours parlé avec lui, oh, mais ils sont des amis. Ils sont des amis. Non, mais parce qu'après, Dodo Kamba est entré dans le jeu, c'est comme c'est tout à fait normal. Non. On s'est fait la guerre et puis il y a un jeune qui vient, qui vous arrache, vous les vieux. Non, il n'a pas arraché. Il a été élu par un groupe de gens. Ils ont organisé les élections soutenues par Albert de la manière qu'il a voulu faire les choses d'une manière désordonnée, sans respecter le texte. Et il est maintenant en train de s'en plaindre s'il faut que vous puissiez aller lui poser la question. Donc, non. Donc, il regrette ses combats avec Sonny Kafuta. Qui c'est? Albert. Oui. Il regrette ce qu'il vous a fait avec Sonny Kafuta, quoi. Oui, il m'a déjà dit qu'il le regrette. Il a déjà dit qu'il le regrette. Il a dit à Sonny d'une manière publique. Ils se sont demandé pardon chez l'évêque Jiba et ils sont ensemble. Parce qu'après, tous sont des serviteurs de Dieu, ils doivent être ensemble. Je vous recevrai un jour pour qu'on parle de ces choses-là. Je sens que vous êtes quand même une mine d'or et que vous n'avez pas votre langue en poche. Mais je sens aussi une certaine sagesse. Depuis que vous êtes passé par la case prison, apparemment, ça vous a assagi un peu quand même. Hein? Non, vous savez que... Les bravos qui étaient là au combat... Non, il ne faut pas de parler... De l'eau s'est organisé un peu, vous êtes allé en prison, ça vous a calmé. Non, je vais vous dire... Quand on va vous dire qu'on ne peut plus croire à vous les pasteurs, vous allez dire non. Comment un pasteur, pour des intérêts de ce monde, vous rentrez en contact, en contradiction avec Dodo Kamba et vous vous retrouvez à Makala? Attendez, et puis vous viendrez demain m'imposer la main. Attendez. Je pose la question, est-ce que Dodo Kamba peut arrêter quelqu'un?
Est-ce que Dodo Kamba peut arrêter quelqu'un? Vous vous êtes retrouvé à Makala comment? Je me suis retrouvé à Makala parce que le procureur de Kalamu et les magistrats ont voulu que je parte à Makala. Parce qu'eux, ils pensaient que la Makala, c'était la fin, alors qu'ils me donnaient une couronne. Vous savez que moi, je suis d'abord très content. Très content, pourquoi? Parce que de toutes les années ici, depuis les Adjina Bal que vous avez cité tout le monde, jusqu'à aujourd'hui, vous avez appris que quelqu'un a été arrêté parce qu'il défendait l'église. Vous ne savez pas que je suis le seul? Vous avez défendu l'église? Mais c'était l'église que j'ai défendu. Oh, défendez les intérêts avec Sonika Futa. Qu'est-ce que l'église? Non, ce n'était pas les intérêts avec Sonika Futa. Problème de positionnement que vous aviez avec Sonika. Non, jusqu'à aujourd'hui qu'on ouvre l'émission, là, j'aime jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais défendu Sonika Futa. J'ai défendu une valeur. La valeur sur laquelle Sonika Futa est élu, qui doit être respectée. Donc, il n'y a jamais de défense d'individu, mais de valeur. De valeur et de cela. Et je suis allé en prison et je suis sorti avec une couronne. Pourquoi? Parce que les gens qui m'avaient envoyé en prison, quel était leur objectif? Me faire taire pour que je ne parle pas. Pour dire que je ne dise plus rien. Mais je parle. Vous me voyez? Je peux encore parler et jusqu'à présent, je continue toujours, je garde encore tout ce que j'ai comme outil. Et jusqu'à présent, vous dites que Dodo Kamba, c'est un président illégal? Non, je n'ai pas dit illégal. Illégitime? Je n'ai pas parlé même d'illégitimité. C'est quoi? Dodo Kamba a été élu par un groupe de gens qui sont réunis. Et quand on lui a donné l'arrêté tel qu'il a été, j'ai demandé à tout le monde que, étant donné que nous sommes une confession religieuse partenaire de l'État, nous devons accepter ce que l'État a fait. Même si c'est une erreur, revenir à nous-mêmes pour corriger les choses. Il n'y a pas d'illégalité, il n'y a pas d'illégitimité. Pourquoi? Parce que toi, tu as été légalisé par un acte juridique et légitimé par le membre qui ont considéré qu'ils peuvent se réunir de cette manière-là. Donc, ce n'est même pas aussi... Albert n'a pas été élu aussi. Il faudra que vous puissiez retenir ça. Albert n'a pas été élu, il n'a pas constitué l'élection et il a voulu déranger l'Église. Il a voulu déranger l'Église à sa sortie. Et c'est ça ce qui fait que l'Église qu'il a dirigée pendant autant d'années ne reste pas calme après lui. Mais je ne suis pas venu parler de lui. Donc, quand vous vous organiserez, je reviendrai. Mais j'aime quand même les discours, parce qu'en préparant cette émission, on m'a dit que vous êtes un homme souvent instable. Tantôt, vous avez soutenu, vous étiez avec Albert, vous êtes allé avec Sony, et aujourd'hui, vous faites un peu les yeux d'eau à Dodo Kamba. S'il y a l'homme... Avec les discours que vous dites là sur Dodo Kamba, je comprends que vous arrondissez un peu. J'ai dit que s'il y a l'homme... Et ça confirme un peu ce que vos détracteurs disent. C'est un homme... Non, s'il y a un homme le plus... qui bouffe dans tous les ratés. C'est ça que les gens racontent. S'il y a l'homme le plus stable de l'église, il y avait ce mois. Parce que mes textes, je les ai gardés et Albert est resté 18 ans, malgré toutes ses faiblesses, malgré tous ses défauts, parce que je défendais le texte. J'insistais pour que les gens respectent le texte. L'homme le plus stable de l'Église du Réveil, c'est moi. Les autres qui sont instables. Et moi, tous les actes que j'ai posés jusqu'à aujourd'hui, même quand on a parlé, on a volé l'argent, on a fait tout ça, vous ne m'avez jamais entendu passer à la télévision pour dire « je n'ai pas mangé, je n'ai pas fait ça ». Et il n'y a personne, si vous pouvez leur poser la question, appelez tout le monde qui vous dise qu'il a mangé ici, qu'il a mangé là-bas, qu'ils viennent, que celui qui a fait manger passe. Et puis ce sont deux gens qui sont égoïstes, ils ne peuvent pas reconnaître une valeur. Qui ça? Toutes ces personnes qui vous disent qu'ils ont mangé, ils ont mangé. Ils ne peuvent pas donner à quelqu'un. Est-ce que d'abord eux-mêmes ils ont quelque chose? Il faut retenir sur le plan normal que quand les affamés arrivent à la boulangerie, ils oublient toujours tous ceux qui sont restés. Mais moi, je ne suis pas de cette catégorie-là. Quand j'arrive quelque part, je fais tout pour que les gens sachent que l'Église du Réveil a des personnalités. Osamounoko, hein? C'est bien comme ça. Un jour, je vous retrouverai comme ça. On va parler de ça. Maintenant, là, à l'Église du Réveil, vous êtes quoi? Vous avez perdu vos fonctions? Un fondateur initial? Les fonctions lui disent quoi? Moi, les fonctions ne m'ont jamais rien dit. Non, mais à l'époque de Kankinza, vous avez quand même des grosses fonctions. Non, j'ai dit que les fonctions ne m'ont jamais rien dit. Si vous posez la question à Kankinza, il vous dira que la seule personne qu'il sanctionnait pendant qu'il était en fonction, c'était moi. Il vous dira ça. Et que pendant qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer, ils viennent me chercher pour débloquer les choses. Pour leur dire comment ils peuvent aller.
Donc, les fonctions pour les nids de réveil ne me disent rien. C'est que moi, je veux que ce qu'on a écrit, ce qu'on a conçu, ce qu'on veut, que les gens le respectent, que les gens avancent. Ce n'est pas les fonctions qui me disent quelque chose. Et je dis ça au prophète Dodo, quelles fonctions ne me disent rien. Je veux qu'il sache très bien qu'en tant que président, il a l'obligation de l'unité et de la réconciliation. Il a l'obligation de défendre la confession. Et quand j'ai vu qu'il défendait la confession pour les histoires des CENI, et j'ai constaté qu'on l'abandonnait encore seul, j'ai pris la parole pour confirmer. La votre stabilité légendaire. Pour revenir et le confirmer. Pour le soutenir. Lui faire des yeux doux comme... Pas pour le soutenir. Pour soutenir la nation. Permettre à tout ce qui est en train d'envoûter les gens de ne pas continuer d'envoûter. Parce que ce sont des envoûtements. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Je prendrai rendez-vous avec vous pour qu'on revienne largement là-dessus. Ouais. Je vous ai fait venir parce que ce 27, donc le 27 novembre, vous organisez une marche dans le cadre de ce que vous appelez désormais Conseil national des apôtres du Congo. Ça veut dire d'abord quoi, Conseil des... Ça, c'est... Là où il y a bravo, il y a toujours des problèmes. Donc, il faut créer une autre histoire. Il faut exister. Non, pas ça. Là, il faut donc que vous puissiez poser la question à l'apôtre Patrick Kanzambi, qui est le président du conseil. Il a donc fait une bonne chose. Vous êtes entré sans connaître les fondements. Non, j'ai compris. À votre âge, Patrick, vous tirer comme ça. Non, j'ai compris la vision. Il faut vite soutenir cette vision. Il faut être avec lui et l'aider à avancer. Parce que dans ces pays, les gens ne savent pas que ce sont... En principe, pour les ministères d'église, que les apôtres qui ont commencé. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, ce sont les apôtres qui doivent interpeller. Ce sont les apôtres qui doivent plutôt présenter le chemin et l'orientation. Et ce sont les apôtres qui ont la révélation, qui doivent dire aux gens, voici ce que Dieu veut que nous puissions le faire. Ça, c'est les apôtres, c'est leur rôle, c'est leur charge. Et dans ce conseil-là, c'est donc une structure, un regroupement pour alerter l'opinion, pour ramener l'église dans le rail. C'est quoi les objectifs? C'est pas alerter l'opinion. C'est pour d'abord commencer par formaliser d'abord la marche de l'église. Donner la possibilité à l'église de savoir très bien que Jésus-Christ qui a appelé, il avait un fondement. Parce que quand vous regardez, on dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des apôtres qui reculent quand l'église se trouve acculée, quand le peuple, la population se trouve acculée. Mais ici, les apôtres interviennent dans une situation tout à fait particulière qu'il faut bien noter. La RDC, même si on peut l'appeler laïque, a été déjà confiée à Dieu. Et que la vision de Dieu, le plan de Dieu pour la RDC, n'est plus le même avant la prière de la dédicace. Il y a des choses de privilèges que Dieu a promis, qu'il a dit que quand on fera ça, voici ce que je vais faire. Et parce que le peuple ne sait pas, parce que le député et tout le monde qui se trouve au Parlement ne savent pas, ils sont en train d'avancer, c'est pourquoi il faut aller jusque vers eux pour leur dire, cette affaire va s'arrêter. La guerre s'arrêtera. Vous pourrez donc voir le lendemain meilleur, à condition que vous puissiez savoir très bien que l'amour et le pardon demeurent au centre et que vous puissiez invoquer le nom de l'Éternel pour que l'Éternel intervienne. Donc c'est pour ça que vous organisez la marche de ces samedis, le 27. Oui. C'est ça l'objectif. Oui. Vous partez d'où et vous allez où Nous partons du premier, de la première rue jusque... Première rue devant chez Moïse Mbuya, à côté de chez Moïse Mbuya. Non, là devant HJ Hôtel et okay. Hôpital. Ok. Et puis nous partions. Pourquoi est-ce que nous faisons? Ce n'est même pas une marche comme la marche de la manière que les gens font la marche parce qu'on risque de confondre. C'est une procession. Il faut dire que quand les gens sont en train de faire une procession pour aller là où on doit prononcer. Le mot invoqué l'Éternel, il faut marcher. C'est l'appel, c'est l'interprétation. Nous ne pouvons pas circuler sur toute la ville de Kinshasa. On prend un tronçon, on fait la procession. On pouvait circuler toute la ville de Kinshasa. On pouvait parler entièrement, c'est-à-dire circuler, terminer le tour de Kinshasa et revenir au palais du peuple.
pour maintenant prier là-bas au palais du peuple et rappeler à Dieu ses promesses. Avec quoi comme objectif? L'objectif c'est quoi? C'est de rappeler à Dieu ou de rappeler les hommes politiques? Non, nous n'avons pas à rappeler aux hommes politiques. Nous marchons en tant que chrétiens et serviteurs de Dieu jusqu'en ces lieux-là et nous rappelons à Dieu que ce pays lui a été déjà confié, lui a été déjà donné. Et comme le pays lui a été déjà donné, il faudrait qu'absolument que le peuple aussi sache qu'ils doivent marcher avec vous. Vous n'avez pas de mémo, vous n'avez pas de déclaration. Comment on peut manquer de mémo? C'est pas un mémo ou code de revendication. C'est une interpellation. C'est appeler les gens à revenir à des sens corrects. Je vais dire quelque chose. Le président de l'Assemblée, quand il est élu, avant qu'il commence les fonctions, vous l'aviez bien suivi. Il a fait le tour des confessions religieuses. Et quand vous avez posé la question, il va vous dire qu'il était parti pour avoir la bénédiction des confessions religieuses. Le président du Sénat, quand il a été élu, il est allé jusqu'à chez son père spirituel pour recevoir la bénédiction, en disant qu'il va là-bas pour bénéficier de l'onction et continuer. Mais maintenant, parce que tous, ils sont dans cette option-là que Dieu existe. Maintenant, ils sont en train de se battre, au lieu d'appeler le peuple à prier. Au lieu de dire au peuple que soutenons ceux qui sont sur le champ de bataille par la prière et avançons. Ils ne le font pas. Donc c'est pourquoi il faut qu'on le fasse de cette manière-là. Procession, palais du peuple, prière et puis... Et puis on parle et on leur montre. Voici nos recommandations. Mettez le temps dans la prière. Aimez-vous les uns les autres. Cessez la haine et le tribalisme. Cessez de vous tirailler. Aller vers la direction que celui qui vous dirige est en train de faire. Parce que vous savez que quand on est en train de dire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on n'a pas besoin d'un objectif précis. Non, mais quand vous dites celui qui vous dirige, c'est justement pour mettre de l'eau un peu dans le moulin. Beaucoup disent que vous êtes une bande de tshisekédistes, vous bouffez dans l'assiette du régime, et ces marches-là, d'une certaine manière, au lendemain ou au moment où le bloc patriotique organise des marches, en réalité, c'est l'Union sacrée qui est derrière vous et qui veut endormir les gens en organisant cette procession-là. Les déclarations que vous faites, travailler sous la direction de ceux qui vous dirigent. Et ceux qui ne croient pas à lui, ils font quoi à eux? Moi, je voudrais bien comprendre maintenant une chose. Si vous êtes un chrétien, il faut que vous puissiez noter que tout celui qui est enfant de Dieu ne peut pas être avec les gens remuants. C'est comme ça que le proverbe dit. Ne soyez pas parmi les gens remuants. Ça veut dire, les gens qui sont en train de s'agiter, on ne peut pas trouver les chrétiens parmi eux. Ça, c'est la recommandation biblique. Et maintenant, quand vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous vous retrouvez devant les gens, vous devez demander que tout ce qui est établi, qui est élevé en dignité, il faut que l'on puisse le respecter. Ah ben, pour qu'on fasse le travail d'une manière tranquille, qu'on puisse prier tranquillement. Si c'est... Et qu'on dise aussi à celui qui dirige que amenez le peuple à l'amour et au pardon. Si tel était le cas, alors Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si tel était le cas, les Michel et les autres pasteurs qui s'opposaient au roi, ils n'existeraient pas. Vous êtes dans la philosophie des gens qui disent l'Église ne doit pas s'opposer au pouvoir. C'est ça le problème. Parce que vous êtes un peu, d'une certaine manière, engraissé par ces pouvoirs-là. C'est comme ça que les gens vous voient, vous, d'une certaine manière. Non, je comprends. Le problème, c'est que nous pouvions avoir tous ces langages. C'est ça aussi, vous, les journalistes. Parce que quand vous avez vu le président de la République en train de dire Éternel, je te donne le trône de la RDC, viens diriger et tout ça, vous devriez lui poser la question. Même à tous les pasteurs qui étaient avec lui, vous devriez lui poser la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que nous pouvons attendre parce que vous avez déjà donné le pays à Dieu? Est-ce que vous savez que dans ces pays ici, les sorciers ne combattront pas les gens, mais ils seront combattus par le Saint-Esprit? Quand on confie le pays à Dieu, c'est des proclamations. Les sorciers ne sont pas morts. Ils continuent encore à ensorceler les gens. Non, c'est ça que je vous dis. Dans vos églises, vous continuez à chasser les démons, les sorciers alliés. C'est ça que je vous dis, que les sorciers ne peuvent pas aussi quitter la terre. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils puissent quitter? Parce que c'est par leur présence qu'on peut savoir si on a Dieu ou non. Donc, depuis la prière des dédicaces, donc, les sorciers ne peuvent plus agir contre les pays. Non, c'est ça que j'ai dit, qu'ils ne peuvent rien faire dans ces pays décidés. Ils peuvent pas. Vous comprendrez que là où vous trouvez que les choses sont difficiles et ça ne peut pas marcher, si tout le monde
invoque le nom de l'Éternel, la solution est trouvée. Et la solution sera trouvée calmement, sans casse. Mais depuis que le président a dédié la République, qu'est-ce qui a changé dans nos vies? C'est vous qui l'avez amené, vous lui avez dit qu'il faut dédier la République. Oui. Depuis qu'il a dédié la République, qu'est-ce qu'on a commencé à manger trois fois? La guerre s'est terminée à l'est de la République. Les gens sont payés. Qu'est-ce qui a changé depuis qu'on a dédié la République? Est-ce que Dieu ne vous a-t-il pas donné la force et l'intelligence de travailler au lieu d'endormir les gens? La France, là, est aujourd'hui la France parce qu'Emmanuel Macron l'a confié entre les mains du Seigneur. Mais quand les États-Unis, c'est quel président qui l'a donné? Mais quand vous êtes en train de poser la question, vous répondez, je suis content. Je vous pose la question. Non, non, la question que vous avez posé la question. Qu'est-ce qui a changé? Non, j'ai dit qu'est-ce qui a changé depuis qu'il a changé, c'est que vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Il faut travailler pour que les choses changent. Parce que le problème, c'est quoi? Est-ce que vous pensez que le président de la République va changer? Non, vous ne travaillez pas. Mais le président de la République, avec tout ce qu'il a laissé maintenant comme démocratie, quand vous êtes en train de dire que depuis qu'il a confié le pays, il a dit qu'est-ce qui a changé dans nos pays? Oui, ce qui a changé dans les pays, c'est que tout le monde est libre. Tout le monde est en train de parler librement. Il y a des gens même qui ne partent pas au travail et qui ne veulent pas partir. Il y a même des catholiques à qui on a donné des écoles et qui refusent que les gens partent, qui demandent que le pays puisse payer l'argent parce qu'on leur a ravi le morceau qu'il est en train de prendre. Il est en train de prendre beaucoup d'argent sur le parent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je ne suis pas venu ici pour parler au nom du président de la République ni des choses. Il a des gens qui sont là pour le faire, mais peut-être qu'ils ne savent pas comment le faire. Mais moi, quand je regarde, je dis, ah, le pays a quand même changé. Peut-être. Parce qu'il y a des gens qui... Vous mangez combien de fois? Vous mangez combien de fois aujourd'hui? Non, le problème, c'est pour manger. Combien de kilomètres ont été construits? La Bible me dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ah, mais si c'est ça le principe, pourquoi il fallait confier la République? Mais c'est pour maintenant que les choses deviennent faciles. Ah non, pasteur. Le principe, c'est le travail. Je vous oppose la France, je vous oppose les États-Unis, je vous oppose ces pays-là. Le roi n'a pas dédié la République. Vous endormissez d'une certaine manière les gens avec vos théories. Vous n'avez pas. C'est ça le problème. Vous n'avez pas vérifié. Parce que si vous demandez, je viendrai pour que nous puissions parler sur la dédicace. Vous montrez les pays qui ont dédié le pays à Dieu, leur pays à Dieu, et comment est-ce qu'ils ont obtenu des résultats. Ici, il y a des résultats qui sont liés à la dédicace, mais qu'on ne peut pas vous donner parce que les... Il y en a beaucoup. Je ne suis pas venu pour ça. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je ne peux pas prendre aussi au milieu comme ça. Non. Acceptez que ça soit organisé d'une manière correcte. Et je vous le montre. Je vous montre même le document parce que je suis de ceux qui ont préparé les documents de la dédicace du pays, pas avec le président Félix. Parce que les gens du président Félix, ils ont dit qu'ils ont ramassé des documents. Ils ont trouvé les documents. Mais la dédicace n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai vu un livre sucré ici de Kamimbaya et tout ça. Donc, préparer le pays pour être dédicacé à Dieu, ce n'est pas aujourd'hui. En 2016, je dirigeais l'organisation de la dédicace et nous étions au stade, la pluie est arrivée, le président Kabila n'était pas venu. C'est un processus. Ce processus-là, de la manière qu'il est préparé, qu'on vous le montre, qu'on vous montre le pays, que vous puissiez vérifier, vous êtes journaliste, vous êtes un investigateur, que vous puissiez vérifier, vous verrez, vous direz non, mais finalement, ici, là, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas arriver à obtenir les résultats comme les autres pays qui ont fait ça? Non, je vous dis qu'il y a des choses, je peux bien vous dire que ces choses que nous sommes en train d'obtenir comme résultat, sur tel plan, ce sont des choses qui sont liées à la dédicace. Et je sais, avec conviction et avec précision, parce que ce sont des promesses qui ont été faites par Dieu. Et cela est en train de se passer de cette manière-là. Ah, total anan, hein? Oui! Total anan, comme vous dites là, mais je vous dis d'abord que c'est pas grave, vous pourrez donc me rappeler demain ou le lendemain. Je vous ramène un document. Vous voulez pousser les gens à travailler, vous les amenez dans les prières? Non, il faut que les gens travaillent. Vous payez les prières, vous faites les gens qui font des marches, qui font qui parlent. Vous laissez les présidents se concentrer pour trouver des solutions, vous les amenez à l'église, vous dédiez la République, c'est ça le problème. Et puis après, on ne voit rien, c'est ça le problème. Bon, vous n'avez rien vu parce que vous ne voulez pas voir. on revient sur la marche. Donc, là, vous appelez quoi? Qui doivent participer à cette marche-là? Tout
le peuple, tous les enfants de Dieu, tous les Congolais qui veulent la paix. C'est trop avec la guerre là de l'Est. C'est trop. Et cette guerre là, nous savons très bien que Dieu peut l'arrêter. Dieu peut arrêter cette guerre de l'Est. Je ne suis pas ici pour... Si vous me voyez dans une affaire, vous avez vu mon nom. Bravo. Je ne suis jamais dans une affaire qui échoue. Quand je suis dans une affaire de la République, elle n'échoue pas. Elle n'échoue pas. Et ça, c'est un ordre de Dieu. C'est une vision de Dieu. Si je me suis décidé à être dedans parce que je sais que c'est ça ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, cette marche-là, et on prie, on arrive là-bas, on prie, et vous allez voir. Donc c'est Dieu qui vous a recommandé de marcher. C'est une recommandation formelle. Et il faut qu'on puisse... Ça ne sert à rien parce qu'on sommes dans l'église pour qu'on donne des versets bibliques, qu'on dise voici à tel moment, quand tu as eu telle chose, voici ce que le peuple de la Bible avait fait et tout ça. C'est ça c'est qu'en réalité nous pouvions faire. Mais ça ne sert à rien ici, nous sommes là pour sensibiliser toute la population, le peuple congolais, ceux qui aiment Dieu, ceux qui aiment nos frères de l'Est qui sont en train de souffrir de la guerre. Ils doivent venir. Et nous allons prier ensemble. Ce n'est pas une marche politique, ce n'est pas une marche de soutien. Non, non. Au président de la République. Soutenir qui? Aux institutions de la République. Non, les institutions de la République peuvent continuer toujours d'être là. Les hommes passeront et les institutions resteront. Vous comprenez? Vous savez que Mabunda est passé, mais le Parlement, l'Assemblée nationale est restée. Hein? Mais maintenant, les gens qui ont fait partir Mabunda, hein, ils sont en train de s'attaquer à l'Union Sacrée. Mais ils oublient que pendant qu'ils faisaient partie de Mabound, personne ne les avait envoyés. Ce n'était pas l'Union Sacrée qui les avait envoyés. C'est ça. Ces histoires-là, ces attitudes-là tribales, ces attitudes de haine, ces attitudes-là de chercher l'argent, de parler, d'envoûter les gens, ces attitudes-là qu'il faut arrêter. Parce que je suis en train de vous parler de manière précise. Je dis, les gens qui ont fait partie Tambwe Mwamba du Sénat, ceux qui ont fait partie Mabunda de l'Assemblée, c'est pas l'Union Sacrée. C'est pas l'Union Sacrée. Aujourd'hui, ces personnes-là se plaignent de ce qu'ils ont posé comme acte. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu les aide. Les assistent pour qu'ils comprennent que les choses ne se passent pas comme ça. Il faut aimer le pays. Le Seigneur a dit, quand on veut prier, entrez dans sa maison, fermez-vous que les voisins n'entendent pas. Ces prières de tapage, de marches ici, on les voit seulement avec vous ici. Hein? C'est vrai. Non, oui, oui. Loin de la parole de Dieu, le Seigneur nous recommande de s'enfermer. Quand vous voulez prier, entrez chez vous. Vous aimez beaucoup les tralala, vous, des églises réveillées, sincèrement. Hein? Vous savez que vous pouvez être mandaté par... ceux qui détruisent les pays, ceux qui envoûtent les pays, en disant, acculez-le, dites comme ça ils vont avoir peur, ils ne peuvent plus continuer de marcher. Ce sont des intimidations, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas m'intimider, répondez à la question. Oui. La question est que le Seigneur a dit, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, enfermez-vous. Dieu n'a pas dit, descendez dans la rue, allez déposer des mémos. Non. Mais ça va, cela veut dire autre chose, peut-être que ce que vous êtes en train de dire. Toujours la même Bible dit que vous devez prier en tout lieu, en tout espace, en élevant les mains pures. Donc le problème, ce n'est pas la marche de Jéricho dans la Bible. C'était une marche des gens qui avaient la prière pour que les murs tombent. La marche, quand vous êtes dans 2 Chroniques chapitre 20, au moment où on montre que les gens ont marché, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à marcher. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont préparé le chantre et ils ont prié. Et Dieu a fait entendre les coups de canon ailleurs. Quand vous partez dans 2 Rois chapitre 7, vous allez retrouver qu'il y avait les quatre lépreux qui étaient en dehors de la ville parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier et les choses sont passées de cette manière parce que la ville d'Assyrie a été envahi par des gens non visibles et que les gens sont venus, les Samaritains, ils ont envahi, ils ont eu tout ce qu'ils avaient là-bas. Dans la Bible, il y a plusieurs options
qui montre que les gens peuvent marcher vers un objectif pour obtenir la victoire là où ils doivent arriver. Pasteur, on va terminer cette émission. Merci. Les Congolais vous regardent, la caméra est là. Si vous essayez de demander de leur lancer un message par rapport à cette marche-là, ça sera quoi votre message? On terminera par là. J'allais demander au peuple dire, beaucoup de marches s'organisent, mais ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu nous assiste et qu'il nous donne la victoire sur la guerre de l'Est, qu'il nous donne la victoire sur notre conduite, que nous soyons le peuple d'amour, que nous puissions nous pardonner les uns les autres et que nous ayons un pacte républicain où les gens s'entendent et ils ne s'agressent pas. De cette manière-là, nous pourrons donc voir un pays qui a été confié à Dieu et que ce pays-là peut avoir maintenant des nouveaux citoyens et de nouveaux peuples qui aiment Dieu. Pasteur, bravo, merci d'être venu nous voir. Merci. Je serai là samedi, je viendrai voir votre marche. Que Dieu vous bénisse. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était le pasteur Bravo Jacques Martin. Avec lui, on est largement revenu sur la marche qui doit être organisée ce samedi, ou plutôt la procession qui doit être organisée par le collectif des apôtres du Congo. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour d'autres aventures et pour d'autres numéros. Bonsoir chez vous. La londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.